I cut so much you thought I was a DJ. Salut tout le monde, c'est BioWare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FNAF, le fan game The Joy of Creation Story Mode. Alors j'ai plusieurs choses à dire comme chaque début d'épisode. Je n'ai pas tourné de vidéo, normalement mercredi il devait y avoir la vidéo remerciement pour les 3 ans. Je l'ai pas fait parce que j'ai été malade toute la semaine. Voilà, je ne savais plus parler, j'avais des gros problèmes à la gorge et tout ça. Jusqu'à jeudi. Et encore je le sens un peu et je pense que ça s'entend encore un peu. Et donc voilà. Donc en gros j'ai pas joué de toute la semaine, j'ai recommencé seulement hier. Mais voilà, du coup je pense que si demain je sors une vidéo sur Minecraft, donc ce sera sur le serveur. Parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo sur le serveur. J'en ai fait qu'une d'ailleurs. Et après la vidéo de Minecraft, normalement je sortirai la vidéo ou alors bah, je la sortirai peut-être mercredi ou quoi, mais je pense pas parce que ça sera encore l'école et tout ça et c'est dur. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu de montage qu'il va falloir faire et tout. Enfin voilà, donc vous verrez soit demain soit un autre jour, je suis désolé mais je sais pas faire mieux. Et donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 ou 7, je pense que c'est le 7ème, j'ai pas... j'ai oublié de regarder avant. Mais là on va vraiment entrer dans du sérieux, parce que là, ça et ça c'était peut-être déjà assez effrayant, celui-là pas. Celui-là pas parce que on l'a fait en 2 vidéos. C'était pas très effrayant, d'ailleurs on n'a jamais vu Chica. Celui-là putain, j'ai vraiment galéré, je suis vraiment content de l'avoir fini, sauf si j'appuie là. Là je serais plus vraiment content. Mais à partir d'ici, de là où on est, on va clairement en chier. Je vais en chier. On est parti. Surtout que je connais absolument rien au niveau. J'ai déjà vu un petit extrait. Je vais vous montrer. For years, I've thought that what I saw was just a bad dream. Something that couldn't possibly have been real. Why would it? Monstrous beings coming to get a helpless child from the shadows, poking their heads out from under the bed, peeking through the closet. Just the usual nightmare for a kid, right? No matter how real it felt. Well, most of what came after is foggy. Felt more like a dream than the actual nightmare itself. Mom came to rescue me, picked me up and carried me away. I was scared for my life. It was the scariest moment of my life, for sure. I've never been a crybaby, though. Even when I was a kid, people have told me they've never seen me cry, or yell, or even scream. So even if I was terrified during all of it, I would have been silent the entire time. But that was the strangest thing about that night. Even though I never made a peep, as I was being taken outside by my mother, away from the nightmare, I still vividly remember hearing my own screams. Nick? Nick! This isn't real. Just dreaming. None of this is real. Ready? Ready. What are you doing? What are you ready now? No, what is this? Help! Somebody help! Mel? Nick? Anthony, Sam, where are you? What is going on?
use your trusty flashlight to see them. We hide from the monsters they burn. So we hid where you always tell us to hide. Well, Nick, Sam, Anthony. Wow, putain! Oh putain, ça démarre trop bien! Cette animation, elle était dingue! Elle était dingue, cette animation! Je veux faire des animations comme ça sur ma chaîne! Elle était dingue, cette animation! Wow! Le mec, il parle à Freddy! Genre, il va te répondre, il va faire sa petite musique et il va dire « Ouais, ok, pas de problème, frère! » Wow, c'était dingue! Donc j'ai lu sur le papier, enfin j'ai aussi écouté, donc apparemment donc la lumière serait mauvaise pour les animatroniques, comme dans une vidéo que Squeezie avait tournée il y a un ou deux ans sur une autre version de ce jeu. Donc on peut les aveugler ou je sais plus trop quoi. Mais je vous jure que je connais rien à ce mode. J'ai juste vu un tout petit extrait, je comprenais rien, la vidéo était en anglais. Mais je vais essayer de vous montrer vite fait. Ok, donc ça se fait automatiquement. Donc là, dans des trucs où on peut fouiller là, c'est pour des espèces de cupcakes de Chica qui a peu arrivé là, je pense. Oh putain, c'était Golden. C'était Golden, je pense. Ok, c'est bon, j'ai juste baissé un peu le son parce que mes écouteurs sont au plus bas. Mais en fait, si vous voulez, j'ai le son vraiment à fond dans mes oreilles. Ok, c'est déjà mieux comme ça. Putain, j'ai eu peur alors qu'il est même parti. Donc là c'est à côté de moi, ok. C'est les caméras des trucs qui sont là. Bonnie, il peut être là, je pense. Ça se fait automatiquement, je fais rien du tout. Donc là c'est en face de moi. C'est flippant, je comprends rien. Ok, on va rentrer vraiment dans la merde. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. J'ai peur d'ouvrir les portes. Les portes sont grave flippantes. J'ai grave peur. Imagine tout comme ça et blah, il y a un animatronique. Je sais pas du tout comment on peut les faire partir. Je suis désolé mais je vais perdre toutes mes couilles là pendant cette vidéo.
Ouais, parce que j'ai plusieurs couilles. J'en ai pas que deux, moi. Eh ouais, j'ai plusieurs couilles. Putain, c'est grave flippant en vrai. J'ai entendu un bruit. Là. Vous croyez qu'il faut que je fasse partir les animatroniques comme ça? Les regardant dans la caméra. Casse-toi, je dois trouver les cupcakes. Non, il y en a encore. Merde, ils sont où les cupcakes? Non. Donc Foxy, je dois le regarder sur les caméras. Je dois le faire péter un câble ou je sais pas trop quoi. Vous avez vu ce que je devais faire? J'ai pas trouvé tous les cupcakes. What the fuck? Enfin, je sais pas, je comprends pas vraiment. Est-ce que je dois trouver tous les cupcakes pour qu'elle parte? Ouais, Freddy, putain, j'en perds mes mots. Freddy, on l'a vu, il nous regardait. Mais je sais pas comment on peut le faire partir. Bonnie. Je sais pas s'il peut arriver par la fenêtre. Qui peut arriver devant du coup? Je sais qu'à un moment, Freddy peut arriver devant et faire sa musique, je pense. Allez, on va réessayer. On va réessayer une fois. Ce niveau est dingue. Ce niveau est vraiment dingue. Mais attendez, mais... Par où? Là, on peut le trouver. Là, on peut en trouver un. Là, on peut pas... Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai eu peur. Je voulais voir si on pouvait faire un truc avec le radiateur. Enfin, le truc. Radiateur. Là, on peut. Ouais. Salut. Wesh, poteau. Donc, Freddy, il était là. Je me demande comment il est allé là, c'est une pièce fermée. Ok. Oh! Merde, il était là! Je l'ai vu. J'ai vu le pied de Freddy. Faites pas genre, j'ai vu le pied de Freddy. Je l'ai vu. Salut. Ah là là, Foxy. Je t'ai connu meilleur que ça.
Comment on fait partir Freddy? Fuck. Ah! J'avais. Oh non, mais attends, mais si c'est à chaque fois comme ça, quand je dois essayer de faire partir Chica, ça va être l'enfer avec lui. Foxy, on l'a connu meilleur, hein. Approuvez tous dans les commentaires, Foxy, on l'a connu meilleur. Ouais, t'as changé, Foxy. Il cherchait les cupcakes aussi. Ouais. Chica, tu feras attention, il veut manger tes cupcakes. Mais comment on fait partir Freddy? Je pense qu'il n'y a aucun moyen de le faire partir. Parce que c'est bien, il nous regarde, mais... pervers, là. Ah, j'aurais dû essayer, ouais. Donc quand Chica est là et qu'il y a ses muffins... Enfin, ses muffins, non, ses cupcakes. Je dois faire partir Foxy. Puis je peux regarder. Genre, je fais là, le rideau. Salut. J'aime bien son crochet en plus. Je regarde que ça, enfin je regarde ses yeux aussi. Il est trop bien. Ah, il est là. Waouh, regardez ses yeux qui bougent. C'est trop bien fait. Si je fais le rideau et qu'il n'y avait pas Foxy, qu'il y avait un cupcake, un muffin, un cupcake. Chica appeared again. Cupcake, ouais. Ben, je dois me rasseoir là et regarder sur les autres trucs. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que le tourmenté de Foxy, c'était Foxy de The Joy of Creation. Mais non. Non, regarde bien, il a le corps cassé. Et c'est pareil, quelqu'un m'avait dit que le deuxième Foxy. Oh, là, il y a un cupcake. Quelqu'un m'avait dit que le deuxième Fox Bonnie que je l'avais présenté. What the fuck? Oh, il y en a un dans le mur! Oh, connasse! Désolé. Ah ouais, je pense que j'avais vu un moment, il avait regardé dans un trou du mur. Ah ouais, là! Oh le con. Je me disais bien, j'entendais un bruit de cupcake ici. Il y en a trois. Il y en a trois à trouver, je pense. Mais Bonnie, comment ça se fait? Enfin, Bonnie, comment on peut gérer Bonnie? Je l'ai pas encore vu, mais... Et Freddy, on le fait partir comment?
Je pense qu'il faut faire de la lumière à la fenêtre. Ouais, c'est ça, je pense. Ok, on va d'abord regarder la Foxy. Pas là. Pas là. Il est là. Eh ? Oh, la pète un câble. Est-ce qu'il est toujours là ? Ok, on va le faire partir. Regardez une tache de sang. Ok, j'ai eu peur. Donc on va d'abord regarder. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Wow. Fuck. Il m'a pas sauté dessus. Oh. Fuck. Il fait grave, ce niveau est grave flippant. Mais grave bien. Non, tu déconnes. Fuck. He broke it. The bastard broke the camera. Damn it! Bonnie just broke one of my cameras. I don't know what happened. He just appeared, and as soon as I realized he was there, he just took it down in one swing. Parle de Bonnie. Eric Golden et Freddy. C'était tous les deux là. J'entends Bonnie. Je le savais, mais je pense qu'il m'en tournait tout. J'entendais des bruits des deux côtés. Waouh, mais ce niveau il est dingue! C'est un truc de ouf. Bon, au moins je sais comment tous les faire partir. Mais les cupcakes, quoi, putain, ils sont chauds. Hein.
Mais Bonnie, il en a parlé, j'ai rien compris. Je pense que je regarderai une petite vidéo comme ça, juste pour comprendre ce que fait Bonnie, parce que je l'entendais. Ils ont lancé une musique, what the fuck. Et voilà. En tout cas, moi j'adore vraiment ce niveau. C'est mes deux niveaux préférés, ça a été vraiment ceux-là que j'ai découvert et tout. Les deux derniers, je sais pas, je fais pas vraiment confiance parce que je sais qu'il y en a un où tu dois te battre contre des endosquelettes. C'est grave flippant. Et la chose, parce que The Joy of Creation, donc la joie de la création, je sais ce que c'est moi. Je sais ce que c'est, j'ai pas envie de vous spoiler. Je suis en train de réfléchir, en fait je peux vous donner un indice, mais moi je sais ce que c'est vraiment horrible, mais je vais pas vous dire d'indice parce que sinon vous limite mon indice ça révèle ce que c'est, mais c'est vraiment dingue. J'ai essayé aussi un autre fan game de FNAF que j'ai essayé en live, il paraissait pas mal mais ennuyeux. Parce que au début il n'y a pas vraiment de choses qui se passent, il fallait trouver un officier, des documents et tout ça. Et donc c'est avec Golden Bonnie, enfin Spring Bonnie et Fred Beer. Quand ils sont pas cassés, on pouvait les voir voir leurs pieds en dessous des rideaux et tout. Mais peut-être que je ferai une vidéo ou quoi dessus, peut-être que je referai un live et j'irai un peu dessus. J'ai refait un live sur BO3. Sinon bah tantôt j'ai mon petit cousin qui vient. Peut-être que je ferai un live avec lui ou pas. Mais bon, voilà. C'est pas dit. En tout cas moi là, vous voyez, à l'heure où j'ai fini cette vidéo, j'ai envie de recommencer à jouer à ce jeu. Ce jeu est dingue, je pourrais y passer des heures, mais une vidéo d'une heure, c'est pas intéressant. Et faire un live là-dessus, c'est pas cool. Parce que ça se trouve je réussirai ce niveau. Il y en a qui n'auront pas vu le live. J'ai pas envie de prendre un live qui aura fait 2 heures ou quoi. Et ça va prendre plein de place sur mon PC. Ça va pas rentrer dans mon programme de montage. Ça va cracher et tout. Je préfère faire une vidéo normale où je m'amuse, je prends le temps. Au lieu de me stresser et tout. C'est ce qui s'est passé avec mon live sur Fortnite. C'était mon tout premier live. J'ai été un peu stressé. Et donc j'ai pas fait. J'ai fait du caca, voilà. J'ai fait du caca parce qu'après j'ai joué. Et j'ai eu un bon shoot et tout. J'ai un très bon shoot. Je fais tous les jours en général, je fais un top 1. Sauf cette semaine, j'ai fait que 3 top 1 vu que j'ai joué que 3 jours. Mais voilà. Enfin, là on est sur FNAF, on parle pas de Fortnite, on s'en fout. Je suis assez content parce que je sais pas quand est-ce que je m'achèterai une caméra. En tout cas, pour le moment, c'est pas prévu vu que j'aime bien jouer dans le noir. Là, je tourne, c'est le matin, mais il fait quand même un peu sombre. Vu que j'ai 2 écrans et tout, et en fait il y a pas longtemps je me suis fait livrer mes 4 figurines pop de FNAF, les nightmares. Ouais, je suis assez content. Foxy il est grave beau, Bonnie il est bien fait aussi, en fait ils sont tous bien faits. Je m'attendais à ce que Chica ils sont plus moches que ça. Enfin bref, je parle de ma vie là, c'est n'importe quoi. Mais bon, peut-être qu'un jour je m'achèterai une cam et je pourrais vous montrer et tout. J'aimerais... Enfin, je sais pas. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mes pages, enfin, pages. Twitter, j'y vais beaucoup moins. J'y vais très très rarement. Facebook, j'y vais rarement, mais parfois je poste des trucs. Et voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait vraiment plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez ce que je fais, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment jouer au cœur. En plus, j'ai vraiment eu une période, on va dire, difficile. Donc, voir ça, ça me donne plus le courage de continuer et tout. Mais ça, j'en parlerai dans ma vidéo remerciement. En tout cas, là, moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Ciao tout le monde. Peace. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.